Comment découvrir les analkachics ou comment en parler, comment les définir Ça c'est tout un problème effectivement. Euh, je pourrais dire en deux mots que, que les analkachics sont la mémoire du temps. Mais ça ça explique encore relativement peu de choses parce qu'on pourrait se demander comment le temps peut avoir une mémoire. Alors je dirais que pour bien comprendre le phénomène de la mémoire du temps, il faut prendre conscience que... La nature dans laquelle nous vivons, la nature de notre univers n'est pas simplement constituée de quatre éléments classiques dont, dont on parle souvent, à savoir l'air, la terre, le feu et l'eau, mais qu'il existe un cinquième élément que les orientaux notamment ont appelé akasha. Et cet akasha serait donc le cinquième élément, un élément qui permet, qui agit plutôt dans l'univers comme une sorte de plaque sensible, ou en employant un terme un petit peu plus euh, à la mode, un petit peu plus technique, un peu plus euh, moderne également, qui agit comme une espèce de gigantesque carte mémoire de notre univers, à savoir que c'est un élément sur lequel tout s'inscrirait, tout ce qui est dit, tout ce qui est pensé, tout ce qui est senti, éprouvé, tout ce qui est fait également quelque part dans l'univers va s'imprimer sur ce cinquième élément qu'on appelle Akasha. Et ce cinquième élément, eh bien, euh, on arrive à le connecter dans certains états de conscience, parce qu'il est, je dirais, ce, il se contacte sur une certaine fréquence vibratoire, sur une certaine longueur d'onde auquel a accès la, la, la conscience humaine. Alors pour connecter, pour me connecter à à cette mémoire de l'univers, aux annales akashiques, donc à la mémoire du passé. Cela me prend évidemment un certain nombre de, de conditions afin d'ajuster ma conscience personnelle à euh, cette, cette grande mémoire universelle, cette bibliothèque dans laquelle tout est consigné automatiquement. Euh, personnellement, je, je me connecte à cette mémoire universelle. Euh, en état de décorporation. Donc la base de mon travail, comme chacun le sait sans doute, c'est le, le voyage astral. Lorsque ma conscience est sortie, est extériorisée de mon corps physique, eh bien je perds un petit travail de détente encore sur moi, au niveau de mon âme, et je vais euh, s'intoniser, je dirais celle-ci, ma conscience, mon âme, avec la fréquence vibratoire des annales akashiques. Et là, avec un certain nombre de, de données techniques qui seraient trop longues d'évoquer ici, eh bien il m'est capable mais possible d'aller visualiser le film, les films du passé, pour aller investiguer certains, certains événements euh, euh, qui se sont déroulés il y a des siècles, voire des milliers d'années. Ça, je dirais que c'est la base de mon travail à travers les annales akashiques, et c'est la base de ce que sont les annales akashiques. Euh, ça, pourrait être, ça pourrait sembler complètement ésotérique, euh, cependant, je dois dire que les, les scientifiques, notamment les, les physiciens quantiques, se penchent très sérieusement sur la question actuellement, par le biais de l'analyse de ce que c'est que le temps. Euh, ça, on va y revenir tout à l'heure, je, je pense, mais euh, je crois que tout ce qui est agi quelque part dans l'univers, eh bien, est gardé nécessairement en mémoire, tout comme un ordinateur, eh bien, euh, c'est une, une comparaison qui peut paraître peut-être un petit peu prosaïque, mais un ordinateur garde en mémoire tout ce toutes les données qu'on lui, qu lui fait rentrer. c'est comme si notre univers, notre nature avait mis en, comment dire en, avait mis en, en service ou avait installé en elle-même cette espèce de, de disque dur colossal sur lequel tout ce qui a été euh, fait, agi, imprimé, en quelque sorte persiste. À tout à fait indéfiniment. Alors on, on pourrait avoir l'impression que une fois qu'un qu geste est, est commis, qu'une parole est, est dite, tout cela part dans une espèce de néant et qu'il n'en reste plus rien. Euh, c'est absolument faux, parce que ce n'est pas parce que nous, nous l'avons oublié en tant qu'être humain, ou c'est pas parce que ça appartient à ce que l'on appelle le passé, que ces choses-là n'existent pas encore, je veux dire entre guillemets, quelque part. Vous savez, par exemple, ceux qui ont l'habitude de l'informatique, euh, on enregistre des dossiers et puis le jour où, où on en a assez de ces dossiers, eh bien on les prend et on, on, on les jette dans la, dans la corbeille du, sur le bureau de notre ordinateur. Et on a l'impression que tout ça, c'est gommé, eh bien que c'est jeté, qu'on n'entendra plus parler. Mais si on est un peu plus féru enfin, en informatique, on sait très bien que derrière cette corbeille dans laquelle on a eu, on a évacué... Un certain nombre de données qui sont comparables à nos souvenirs, et eh bien il y a encore une autre mémoire très profonde dans l'ordinateur. Et eh bien cette mémoire très profonde de l'ordinateur qui reste, qui demeure et auquel on peut avoir accès si on est un bon informaticien, je dirais qu'elle est un petit peu comparable aux annales akashiques. C'est la mémoire derrière la mémoire. C'est une espèce de, de mécanisme absolument incroyable qui est mis en place on pourrait dire par la nature on pourrait dire aussi par la, par la conscience divine alors pour moi le fait d'avoir accès aux annales akashiques de pouvoir travailler dans cette dimension là de notre univers c'est pas quelque chose de technique comme on pourrait le croire puisque je viens d'utiliser le, le langage de l'informatique euh, s'il y a évidemment des éléments d'ordre technique qui me permettent d'y accéder ou qui permettront à d'autres personnes d'y accéder cela n'empêche pas qu'en ce qui me concerne euh, cette démarche là est une démarche excessivement sacrée. C'est parce que si on se contente simplement de mettre en œuvre quelques éléments d'ordre pratique et technique, on n'arrive à rien. Pour moi, c'est le résultat véritablement d'un travail intérieur sur soi, je dirais, d'un travail que l'on pourrait qualifier de, de mystique et qui est le, le fruit de, de, de beaucoup d'années d'épuration de, 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 de la conscience personnelle. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle je ne m'amuse pas personnellement avec ce genre de mémoire. Je ne vais pas, par exemple, essayer d'aller euh, chercher euh, dans le passé comment, euh, quel a été le secret de tel ou tel grand euh, personnage de l'histoire, essayer d'investiguer comme ça. Non. Je crois que. À chaque fois que j'ai été amené à me pencher sur la mémoire du passé, sur un personnage particulier, comme ça a été le cas pour le, le Christ avec de mémoire des Séniens, pour le cas de Saint-Louis avec euh, Louis du Désert, ou encore, bon, euh, par rapport à la vie du pharaon Akhenaton, euh, ça a toujours été pour répondre à une demande, euh, je dirais, qui venait vers moi à partir de ce que je pourrais tout simplement appeler des mondes de lumière. Il euh, n'y a pas de démarche de. Comment dire de... D'investigation, de curiosité de ma part. Et je ne crois pas qu'on puisse investiguer les annales akashiques, la mémoire du passé, par curiosité. Euh... Il y a véritablement une... Il y a un travail qui, pour moi, correspond à une mission, derrière cela, une mission sacrée, pour éclairer ce qui a besoin d'être. Éclairé à un moment donné précis. Donc, ce n'est pas du tourisme spirituel. pas voir, n'irai euh, pas répondre plutôt à quelqu'un qui me dirait Bon, parce que tu peux aller voir dans les Annales Akashiques ce que, que j'ai été dans ma dernière vie ou mes dernières vies. C'est quelque chose pour moi qui ne correspond à rien. Ce serait véritablement salir un, un outil qui, pour moi, doit répondre à des, à, à des besoins qui sont d'ordre général et non pas satisfaire des, des besoins d'ordre personnel. D'ailleurs, on ne sait jamais. Euh, à quoi s'attendre lorsque l'on a la possibilité de, 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 de soulever un, un des voiles du passé? On ne sait pas ce qu'on va trouver. Ça peut être difficile, ça peut être lourd de conséquences, ça peut être extraordinairement enthousiasmant, merveilleux. Souvent, c'est un mélange des deux. Euh, et c'est ça qui fait le travail, euh, qui rend le travail, je crois, assez, assez difficile. Alors, comment est-ce que ça se passe? Euh, je dirais, pour moi, entre guillemets, techniquement parlant, euh, je ne vais pas, comme je le disais tout à l'heure, entrer dans le, le détail de la technique en, en, en elle-même, parce que ça présente peu d'intérêt, mais comment est-ce que je le vis plutôt D'abord, je dois dire que je ne suis pas, en dehors de mon corps, lorsque les annales akashiques s'ouvrent, je ne suis pas face à un écran de cinéma de, sur lequel des images d'un certain passé vont, se, vont être projetées. Euh, je vais être complètement inclus, ou quand je dis je, je veux dire mon âme, ma conscience supérieure aussi, va être complètement absorbée par une scène précise d'un passé précis. C'est-à-dire que je vais, je vais être dans une action pratiquement à 360 degrés et mes sens vont être décuplés. C'est-à-dire que je vais, je vais percevoir avec une, euh, une acuité extraordinaire tout ce qui se passe autour de moi, non pas simplement sur le plan visuel, mais sur le plan auditif aussi, sur le plan olfactif, sur le plan tactile. Et je dirais que la, la plupart du temps même, lorsque... J'atterris, entre guillemets, dans le temps, dans une époque donnée. La première perception que j'ai de cette époque, c'est de, de la réalité de ce temps-là, du moment qui a été choisi par mon âme, c'est le, le contact de mes pieds, immatériels dans le temps, évidemment, de mes pieds, avec le sol de l'époque que je vais investiguer. C'est bon... donc quelque chose d'extrêmement concret. Ce n'est pas, ça... pas comme on pourrait quelquefois le penser, euh, des images floues, des espèces de visions dans lesquelles on interprète plus ou moins un certain nombre de choses. C'est quelque chose d'extrêmement concret qui me fait dire à chaque fois, mais je suis dans cette réalité-là, de ce moment-là, aussi présent que je le suis dans l'instant où je... où je provoque cette expérience-là. Euh, C'est quelque chose de très très fort pour moi. Et je me sens quasiment plus vivant dans ces moments-là que lorsque je réintègre mon, mon, mon corps physique par la suite. Alors, c'est une expérience extrêmement concrète, une expérience ex totalement globale euh, qui ne fait pas simplement appel, euh, je dirais, au cin aux cinq sens classiques, mais qui fait pénétrer ma conscience, ma pensée, euh, dans la pensée des du ou des personnages que je vois. Et, et à travers les yeux du personnage que, par, par, par lequel je capte les images euh, que, je vais, que je vais retranscrire par la suite. Parce que ce, que, ce dont je me suis rendu compte, c'est que cette caméra qui me permet de, de me tourner vers le passé, c'est tout simplement le regard d'un individu qui a vécu il y a un certain nombre de siècles ou un certain nombre de millénaires. Donc je vais me connecter finalement à la trace de ce que les yeux de cet être-là ont capté à l'époque et à ce que cette trace-là a transmis à sa mémoire. Donc ma mémoire va se... Ma, mes, mes yeux, ma conscience vont se connecter au film qu'a enregistré un individu vi vivant à l'époque donnée. Donc je, je ne choisis pas comme un caméraman, par exemple, mon angle de vue. Je ne vais pas pouvoir dire, oh, je vais tourner mon regard à gauche ou à droite pour aller voir ce qui se passe là, là et là. Non, euh, le regard est déjà présélectionné parce que ce que je revis, c'est la mémoire d'un être qui a vécu à l'époque. Ça peut être la mémo une mémoire qui m'appartient d'une vie antérieure, mais ça peut aussi être, avec l'autorisation de l'âme en question, la mémoire de cette autre personne. Alors, tout ça, c'est lourd de conséquences, c'est certain. Quand on veut bien y réfléchir, c'est loin d'être le petit, euh, un petit spectacle de télévision, un petit spectacle que l'on peut aller voir au cinéma. C'est très fort sur le plan émotionnel et ça secoue aussi sur le plan physique parce que ce qu'on en ramène, c'est pas toujours facile. La plupart du temps, on, on est, enfin, je, je parle en ce, en ce qui me concerne, euh, mon âme est toujours guidée vers des êtres ou vers des périodes qui sont Extrêmement euh, sensible au niveau de notre histoire collective et donc chargé de tout un tas de, de, de connotations sur le plan affectif, sur le plan euh, émotionnel, sur le plan symbolique et quelquefois des événements historiques assez dramatiques également. On remarquera que lorsque l'on parle de la mémoire du temps et qu'on utilise le terme anal les annales sont au pluriel. Donc ce pas simplement un grand livre que notre conscience va pouvoir aller. Euh, consulter ou compulsé Si c'est au pluriel, ça veut dire qu'il y a une multitude de couches de souvenirs. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Je dirais qu'il y a autant d'analakashik dans l'infini, dans l'absolu, qu'il y a d'êtres pensants et conscients d'eux-mêmes, qu'il y a eu d'êtres pensants et conscients de même depuis, appelons-le, disons, l'origine des temps. Chaque être qui vit et qui a conscience de soi-même laisse une empreinte dans l'Akasha. Donc, film en permanence, par le biais de sa conscience, le film total de, le film total de son existence. Donc, en fait, ce, ça permet de mieux comprendre ce pourquoi j'ai dit que lorsque je me connectais aux annales akashiques, j'allais regarder ces annales, j'allais consulter un aspect de ces annales par le biais des êtres, ça peut être moi, d'un être dans le passé. C'est-à-dire que j'ai accès au film qui, que sa conscience a filmé. Mais je pourrais avoir accès aux mêmes événements par le biais du regard d'un autre personnage ayant vécu à l'époque. Donc pour un même événement euh, ayant, ayant existé dans le temps, il peut y avoir autant de lectures de cet événement-là qu'il y a eu d'êtres qui l'ont vécu. C'est ça dont il faut bien prendre conscience. Un être qui enregistre son film akashique d'un événement est comparable à une caméra qui a été placée à un endroit et pas à un autre. Alors, lorsque l'on parle de la vérité avec un grand V majuscule, on peut se demander ce que c'est que la vérité. Chacun a sa propre vérité, chaque film akashique a sa propre vérité et sa propre définition de la vérité, en tout cas, en fonction de là où la caméra a été placée au moment où le film a été tourné. Alors, qui a décidé de placer la caméra à tel endroit plutôt qu'à tel autre Eh bien, c'est le réalisateur. Et le réalisateur, c'est qui si, Sinon, notre, notre conscience supérieure, notre esprit. Mais cet esprit, euh, il a eu accès à un certain type de caméra plutôt qu'à qu un autre, donc à un certain type d'âme plutôt qu'à une autre, en fonction du karma de cette âme, donc du karma de la caméra, entre guillemets. Ça a un peu amené très très loin au niveau de comment dire, au niveau de la réflexion, mais on peut aussi plus loin la, poser la réflexion plus loin en disant mais c'est cet esprit qui est le réalisateur de chacune de nos vies ou de chacun de nos films akashiques, euh, ben c'est le, le réalisateur, c'est peut-être le scénariste aussi, ça peut être éventuellement l'acteur, euh, mais en, en amont d'un réalisateur de film, il y a un producteur. Alors qui est le producteur on peut dire c'est la nature, c'est l'univers, le cosmos. On peut aussi dire c'est Dieu. Euh, Dieu pour moi, c'est pas quelqu'un. Je dirais que c'est un, un champ d'énergie collective que nous nourrissons par la multitude de nos expériences. Le temps, pour moi, est, est véritablement une illusion. C'est ce qui ressort de, je dirais, de, de la totalité des expériences que j'ai pu faire dans, à travers la mémoire du temps. Je disais euh, il y a quelques instants que lorsque j'étais dans cet état de lecture des annales j'avais tout aussi tout autant l'impression d'être vivant dans la période que je vivais que dans le corps que j'ai aujourd'hui euh, et, et que vous voyez là aujourd'hui. Et c'est euh, d'abord une perception intérieure extrêmement, extrêmement intime. L'impression que ce que l'on situe dans le passé, c ce passé-là n'est pas, pas vrai en tant que passé, mais que c'est comme un... Cela persiste dans l'absolu. C'est extrêmement difficile à dire. Il n'y a, a pas, je crois, euh, véritablement de mots qui puissent définir ce genre de perception que l'on a et qui appartient à l'ordre du mystique. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que la, que la vie, par exemple, que je vis aujourd'hui, que nous vivons tous aujourd'hui, n'est pas une vie qui vient après une multitude d'autres, mais qu'elle vient parallèlement à une multitude d'autres. Ce, ce qui se passait il y a 2000 ans ou 5000 ans, c'est encore en train de se passer quelque part. Euh, je n'ai pas, évidemment, d'argument euh, très structuré pour parler de cela. En dehors de, de, certaines, de certaines analogies euh, dont je pourrais parler, euh, ce que je peux dire d'abord, avant d'entrer dans ces analogies, c'est que encore une fois, les, les physiciens quantiques semblent prendre cette thèse mystique-là extrêmement au sérieux. Euh, des, des personnes comme euh, Erwin Laslo, par exemple, euh, qui, font, qui font ce genre de recherches au niveau, du, au niveau de, de la physique quantique, en sont venus également à, à une une espèce de conclusion, du moins de postulat plutôt, selon, euh, selon lequel eh bien, ce que nous percevons du temps, c'est totalement ironé, que le, le temps est une dimension qui appartient à notre niveau de conscience. C'est-à-dire que nous, sommes capables en nous serions capables, en fonction de notre niveau de conscience, eh d'orienter cette conscience vers différents états de ce qui a été vécu par notre conscience supérieure. Euh, y a une, ça peut paraître extrêmement confus, tout cela, évidemment, quand on ne s'est pas vraiment penché sur la question, mais il y a une analogie dont je peux parler rapidement. Une analogie qui était employée déjà à l'époque du pharaon Akhenaton, donc il y a à peu près 3500 ans. Euh, le pharaon Akhenaton et, 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 les, et, les, et ses contemporains, euh, qui étaient initiés, disons, à certaines sciences et à certaines visions philosophiques et métaphysiques de la vie, partaient du principe que... Euh, L'être humain est fait de trois parties. Bon, ça c'est pas nouveau. On sait qu'il y a l'esprit, l'âme et euh, le corps, évidemment. Mais partie du principe que la conscience supérieure, euh, ce que l'on appelle l'esprit, donc en d'autres termes, serait un petit peu comparable au pivot d'une roue, à l'axe central d'une roue, et que chacune de nos vies, qui est vécue par notre âme, par, par notre âme, et eh bien, et chacune de nos vies est comparable à un rayon partant de ce pivot et allant former euh, la, la, la roue globale dont je viens de parler et pour lui la perception du temps viendrait du fait que notre, euh, notre conscience supérieure va se connecter à un rayon plus, à un rayon qui correspond donc à une vie plutôt qu'à une autre mais que tout cela ne fait qu'une seule réalité celle de la roue celle de notre être supérieur qui est euh, qui génère l'illusion globale du temps mais pour lui, la conscience, pour eux, pour les, les anciens jésipiens du temps d'Akhenaton, la conscience suprême était un élément, je dirais, euh, peut-être pas fixe, parce que rien n'est fixe dans l'univers et tout en état d'évolution, mais un élément central qui génère, pour les besoins de, 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 de son évolution, pour sa croissance intérieure, l'illusion d'un certain nombre de vies autour desquelles elle expérimente des, des, des épreuves, des expériences, etc pour s'enrichir à travers une perception du, du temps, donc l'invention du temps. Ce serait l'esprit supérieur qui inventerait le temps, qui inventerait donc la, la Maya, l'illusion, pour, euh, au fil de... D'une sorte d'éternité absolue, de présent absolu, et eh bien, euh, s'enrichir d'une multitude d'expériences. C'est, J'ai conscience d'être un petit peu confus quand je dis cela, mais parce que ce sont des notions pour lesquelles il n'y a pas encore vraiment de concept qui soit très clair, je crois, sur Terre. Mais je suis persuadé que, même si ça paraît encore aujourd'hui un peu un peu brumeux, plus nous allons aller dans les, dans les années à venir, très très proches à venir, plus toutes ces choses-là vont paraître de plus en plus claires à un, à un très grand nombre d'entre nous. Euh, ça, me, ça me donne envie de parler un peu de le, la Maya. La Maya, c'est euh, le terme que les orientaux, essentiellement les, les, les hindouistes et les bouddhistes, enfin ceux qui connaissent un peu le sanskrit, utilisent pour parler de l'illusion. Euh, cette pénétration des annales akashiques m'a fait paraître non seulement le temps tel que nous le vivons de façon linéaire comme une illusion absolue, entretenu par notre vision étriquée de notre réalité profonde, mais aussi le monde dans lequel nous vivons comme étant une illusion. Je suis intimement convaincu, pas philosophiquement parlant, pas parce que ça correspond à une construction mentale qui me plaît intellectuellement parlant, mais parce que ça correspond à un, à un vécu, je dirais, jusque dans la chair, dans ma chair physique et dans la chair de mon âme, je suis convaincu que le monde dans lequel nous vivons ici, présentement le monde par exemple de ce de ce bureau le monde de la nature ici autour tout ce qui est tout ce que nous captons avec nos cinq, nos cinq sens est un monde purement illusoire c'est-à-dire qu'il n'est que la projection de notre état intérieur c'est-à-dire de notre niveau de conscience au même titre que le temps il suffirait que notre niveau de conscience soit modifié c'est-à-dire que nous concevions la vie différemment que nous nous, nous concevions différemment également pour que la, la structure énergétique, la structure vibratoire et donc l'apparence de ce qui est autour de nous soit rapidement modifiée. C'est-à-dire que pour, la, pour que la matière euh, réponde à d'autres lois. Et ça aussi, ça commence à être prouvé en physique quantique. C'est même peut-être prouvé d'ores et déjà euh, par des, des calculs savants qui me dépassent complètement. Ça porte même un nom, je crois qu'il y a une théorie que je n'ai pas en mémoire qui fait. Référence à ce, à ce genre de choses. En tout cas, je suis absolument intimement convaincu, euh, surtout après avoir beaucoup, beaucoup visité les Analakashik, que notre univers, dans sa dimension spatio-temporelle, n'est qu'une énorme illusion, une, 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 appartient donc à la Maya, et que si l'on veut dépasser cette illusion pour rejoindre l'essence de notre être, eh bien, il faut, euh, je veux dire, euh, euh, progresser extraordinairement. Au niveau de l'épuration de notre conscience supérieure, et c'est le but de toute vie, je crois, c'est de s'épurer pour sortir de la ronde des réincarnations, la ronde de l'ego, de, de la ronde de ce que notre âme, à travers le temps, s'invente comme univers et comme épreuve pour s'affiner de plus en plus. En, en tant qu'expérimentateur et en tant que, que personne humaine qui a une démarche mystique, pour moi, il me paraît clair que c'est notre perception du temps qui génère notre à la fois notre perception de l'espace mais aussi notre perception de, de tout ce qui nous entoure qui génère notre monde physique et je suis convaincu que lorsque notre âme sera pas notre esprit supérieur au-delà de notre âme donc sera véritablement en pleine possession de lui-même ou au moins aura réintégré son entièreté c'est difficile de formuler ça autrement et eh bien que euh, lorsqu'il y aura cette réconciliation suprême de soi avec soi, euh, il y aura la maîtrise totale de l'espace. C'est-à-dire qu'on s'apercevra que tout ce que nous percevons comme étant loin de nous ou proche de nous, tout cela ne fait qu'une un, sorte de point au centre de notre cœur ou de notre conscience suprême. Et que la, la notion d'éloignement ne, ne, ne peut se ne peut se concevoir, on ne peut se vivre que dans la mesure où on est complice pour des besoins de l'évolution, on est complice de, de la Maya de la matière. Pour moi, il y a une seule chose, c'est la conscience de soi dans une sorte de présent absolu qui transcendrait tout. Je travaille actuellement, toujours au niveau des annales akashiques, euh, relativement à une, euh, une lecture de la vie de François d'Assise. Mais évidemment, euh, pourquoi se pencher sur la vie de François d'Assise Pourquoi m'aurait-il été demandé de me pencher sur la vie de François d'Assise si c'était pour ramener. Une, une vie ou une écriture de la vie de François d'Assise, comme il y en a eu beaucoup. Il y a des centaines de livres qui parlent de, 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 de François d'Assise. Donc, c'est qu'il y avait nécessairement, et c'est ce que je me suis dit lorsque la demande m'en a été faite, c'est qu'il y avait quelque chose derrière, de, de la vie de François d'Assise qui n'était pas connu ou qui a été occulté par, euh, par l'église chrétienne traditionnelle, l'église catholique essentiellement. Euh, et c'est ce quelque chose-là que je suis allé chercher et que je suis en train de continuer à aller chercher à travers le regard akashique de Claire d'Assise qui était, je pourrais dire, son, son ju ou sa jumelle d'âme à l'époque. Donc le livre qui va que j'espère pouvoir euh, publier au mois d'octobre, au début octobre, eh bien, présente une vision un, de, 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 la, de la vie de François d'Assise, de son personnage de l'être qu'il a été, qui est en marge évidemment de, sa, de la perception classique qu'on a de lui, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Et pourquoi est-ce que ce travail-là m'a été demandé Eh bien je commence seulement maintenant que j'en suis arrivé à un peu plus de la moitié de la rédaction de ce livre, c'est parce que ce qui, ce qui l'a fait beaucoup bouger dans son existence et qu'il a gardé pour lui, dans le secret de son cœur, qu'il n'a pas pu exprimer à l'époque, hormis euh, la, la, la confidence qu'il en a faite à Claire, eh bien ce quelque chose-là, son secret, eh bien, se rattache complètement à, tout les, à un certain nombre de, de, de découvertes ou de thèmes qui sont au centre de mes principaux livres parlant de vie extraite de la mémoire du temps. Donc il, a une, il y a une espèce de continuité dans la pensée. Et c'est là où je me suis dit, « ben oui, évidemment, il fallait, il fallait que je me penche vers cet être. » Puisqu'il apporte un élément de plus, cette vie que je redécouvre apporte un élément de plus à des thèmes que j'ai déjà abordés intérieurement, mais en donnant un, un regard peut-être un peu plus intense encore. Et puis tout récemment, bien, j'ai publié, euh, c'est une année intense, j'ai publié un, 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 un livre qui s'appelle Ce qu'ils m'ont dit, euh, qui est là un, un livre de, je peux dire de canalisation, qui résume. Je crois, pour la première fois, j'en parle en public, officiellement par écrit en tout cas, qui résume 12 années de, de canalisation euh, en France. C'est de ces 12 années de canalisation que sont venues les informations qui ont, au fil des, au fil des décennies, maintenant on peut parler des décennies, donné naissance aux, aux informations d'ordre thérapeutique qui ont finalement généré. Ce, ce mouvement, qu'on peut dire un mouvement, ou cette prise de conscience, cette façon de travailler qu'on appelle globalement les soins esséniens, ou on peut les appeler de toutes les façons possibles, disons une façon de travailler qui, émet, qui met essentiellement en, en, en évidence, en avant, le, le travail du cœur allié au travail des mains pour guérir les êtres. Alors vous voyez, c'est une année assez, assez intense, avec deux livres, mais il est certain que, bon, pour en revenir aux annales c'est certainement. Euh, ce travail sur François d'Assise, qui va s'appeler François des Oiseaux, qui est euh, le, plus, le plus porteur euh, pour une compréhension plus intime encore de ce qu'est la mémoire du temps, et le travail de certains grands êtres à travers ce temps. Puisque je me suis rendu compte, et là aussi il y a une logique dans, dans ce travail que, euh, qui m'est confié, il y, a, il y a tout à fait une logique, je me rends compte que c'est bien la même âme qui, à travers des moments illusoires du temps, S'est incarné en, en le pharaon Akhenaton, en euh, l'apôtre Jean, en François d'Assise, et puis en, là je laisse les points de suspension, on le découvrira peut-être dans, dans, dans mon livre, certainement même, un personnage un peu plus moderne, un grand mystique euh, de, de, de notre temps. Donc il y avait, il, fallait, il y avait, il y, a, il, y a une, il y a une espèce de, je veux dire, de logique dans le travail de cette âme qui, a, à travers, qui de euh, jusqu'à François d'Assise, a essayé de, de, de laisser son empreinte dans l'épanouissement global de la conscience. Ce qui est étonnant, c'est de voir que cette âme, sous l'apparence, sous les traits du pharaon Akhenaton, a essayé de modifier la pensée de son temps, mais par la toute-puissance dans la matière, qui sous-entendait si, sous la toute-puissance spirituelle aussi, mais avec une richesse pharaonique donc en, en, en décidant un certain nombre de choses ça n'a pas fonctionné et qui revient quelques milliers d'années après, après mais là avec un, une vie complètement différente avec la plus grande pauvreté donc deux extrêmes et qui bon, qui fait un travail exceptionnel également mais dont le travail n'est pas dans l'enseignement n'est pas encore forcément parfaitement compris et dont, dont les, les, les convictions de base et le modèle de base ont été, je crois, assez bien trahis, quoi qu'on en dise, et assez bien récupérés. Et entre deux, évidemment, il y a l'incarnation de, 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 de l'apôtre Jean, qui est venu comme une espèce de, comment dire, de, 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 de jonction entre ces deux, comme de point d'équilibre entre ces deux extrêmes. que nous sommes très certainement à une période de l'évolution de notre humanité où il y a une espèce de dualité ou de combat appelons ça comme ça qui se joue au niveau de chaque individu qui commence à prendre conscience de, du potentiel de son esprit du potentiel spirituel euh, c'est peut-être l'effet d'une certaine mode de livre je crois qui tente à à nous faire Confondre le développement de notre richesse intérieure, de notre conscience spirituelle et l'expression de cette conscience à travers le, le déploiement d'un certain nombre de pouvoirs, d'un certain nombre de, de manifestations d'emprise sur la matière. Euh, ce n'est pas que. Il, il est évident que lorsqu'une conscience se développe, elle acquiert ce que l'on appelle des pouvoirs, donc des capacités d'action. Dans notre monde, et que de moins en moins, pour elle, les limites de la matière sont des limites. Mais alors, il y a cette dualité-là en ce moment. Je crois que beaucoup de personnes confondent la spiritualité et la recherche d'un certain confort sur Terre par la maîtrise d'un certain nombre d'éléments. En ce qui me concerne, il y a là, je crois, une erreur qui est un petit peu dramatique parce que on, on, on fait la confusion entre certains outils de travail. Et le but du voyage. Le but du voyage n'est pas l'acquisition d'un certain nombre de capacités de maîtrise de ce que l'esprit euh, ou de ce que le corps peuvent manifester sur terre. Euh, la, la floraison de l'esprit ne considère ces choses-là, l'esprit ne considère ces choses que comme des, je veux dire, des éléments de décor qui vont s'évaporer le, le long du chemin qui mène à sa, à sa floraison suprême. Euh, personnellement je je ne m'intéresse pas comment dire à, à essayer d'accumuler un certain nombre de de phénomènes autour de moi ou de vivre un certain nombre de phénomènes même si ma vie m'a permis de vivre et continue ne peut permettre de vivre beaucoup de phénomènes que l'on dit exceptionnels pour moi c'est pas ça le but du voyage ça peut paraître euh, euh, banal aussi de dire ça mais je sais que quelquefois dans cette vie-ci et il m'a fallu accepter apparemment de perdre un certain nombre de choses pour savoir que le fond de mon être s'enrichissait considérablement d'un certain nombre d'éléments sur le plan spirituel et je dirais que ce que je suis aujourd'hui euh, je suis un, un être en chemin comme tout le monde mais que le, le, le stade où j'en suis aujourd'hui est beaucoup plus fait de de perte ou d'acceptation de perte que de, que de recherche de, de maîtrise de quelque chose. Je crois que la véritable maîtrise, si on peut en parler, si je peux commencer à, à comprendre ce que ça peut être, ne se fait qu'après une série, de, une immense série de pertes. Il faut donner pour recevoir et quelquefois donner jusqu'au bout. Dans tous les sens du terme et à tous les niveaux. Ça aussi, les, je dirais que l'exploration du temps et de toutes les épreuves qu'une âme peut traverser à travers le temps, avec les choses dont elle est fière, des choses dont elle est moins fière, des choses qu'elle a réussies, d'autres sur lesquelles elle, elle a trébuché, tout ça me le font comprendre davantage. Je crois qu'il n'y a pas véritablement, pour la conscience supérieure, il n'y a pas véritablement d'échec, il y a des errances, mais toutes ces errances-là euh, construisent l'être, ne sont faites que dans un but constructif. C'est ça, c'est très très beau, lorsque le, le regard de l'âme ou de, de l'esprit plutôt arrive à englober comme ça une multitude d'événements sur une multitude d'époques et de vies, s'aperçoit à quel point tout, ça, euh, tout ça, c est, c est, ça a été des moments, des moments de bonheur ou des moments d'épreuve, des moments d'erreur, euh, de tâtonnement qui se sont évaporés. C'est la, la, la vapeur de cela, c'est la rosée, la quintessence de tout ça, de ce qui reste de tout ça au niveau de la conscience supérieure, qui prime avant toute chose.